test. Et bonjour à tous, c'est Dr Chips et aujourd'hui on se retrouve pour le live bilan des 6 mois du blog drchips.fr, mon blog personnel où je parle de manga, d'anime, de culture japonaise. Donc déjà je vais regarder juste sur le retour si tout a l'air bon. Ok, ça m'a l'air d'être ok, dites-moi si jamais vous entendez bien la musique aussi en fond d'ailleurs. S'il y a des gens aussi, n'hésitez pas à faire coucou sur le live. C'est parti pour le petit bilan des 6 mois. Donc comme j'ai dit, j'essaie de faire un bilan maintenant à peu près tous les 3 mois. Donc ça fait 6 mois depuis je crois mars à peu près, février-mars, ouais, mars auquel, au moment où j'ai lancé le blog. Donc c'est passé pas mal de choses quand même durant ces 6 mois. Il y a eu l'été où j'étais un petit peu moins actif sur le blog, même si bon, j'ai créé des articles, mais c'est vrai que j'en ai sorti un petit peu moins vu qu'il y avait un peu moins de gens. Et là où on s'est arrêté la dernière fois, c'était le bilan anime saison 2021.
Donc le prochain, il faudra que je sorte aussi encore, que je sorte assez rapidement, celui de l'été. Donc les articles sont sortis entre-temps, il y a eu les lundis, encore un nouveau C'est lundi que lisez-vous. Donc là pareil, je continue encore à parler un peu de mes lectures. Je crois que c'est pas à ce moment-là où ça avait déjà un peu changé. Non, je sais plus vraiment exactement pour les autres, mais ouais, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à parler un peu plus de différents titres, où je commence à changer un petit peu la formule, voilà, j'y arrive. Ensuite, il y a l'article où, j'ai pas, j'ai, sur l'une des séries que j'ai bien aimé vraiment de cette année, c'est l'anime So I'm Spider, So What. Donc je crois que l'article n'a pas fait tant de vues que ça, bon, ça me suffit un petit peu, voilà, j'aurais bien aimé qu'il fasse peut-être un petit peu plus de vues en plus, sachant que c'est un article que j'ai bien aimé écrire, qui m'a bien fait kiffer, l'anime aussi était assez sympa, donc j'aurais bien aimé que plus de personnes le découvrent. Il y a eu le début des rapports aussi sur des jeux vidéo, donc par exemple que ce soit Illusion Connect ou Fate Grand Order. Donc là j'en ai parlé de toute façon sur le premier, voilà, sur grâce aux certaines personnes avec Zao 2, qui fait pareil des avis, un peu c'est des rapports sur un mois précis sur le jeu Fate Grand Order, donc j'ai voulu essayer de tenter aussi l'expérience. Alors j'avoue qu'au début c'était assez délicat quand même à faire, j'avais pas l'habitude de faire, j'avais rajouté pas mal de photos, je savais pas exactement ce qu'il fallait faire, si je faisais bien les choses et tout ça, ce que je devais raconter. L'exercice était assez sympa et là ça fait 3-4 mois que je continue encore à les faire. Et je suis plutôt satisfait, en vrai ça me permet déjà d'avoir une petite trace aussi de mon aventure sur différents jeux, que ce soit Illusion Connect ou encore Fate Grand Order. Parler des choses aussi que je drop par exemple quand je fais des invocations. Parler des événements, ça me permet de m'enrichir aussi un petit peu, apprendre de nouvelles façons aussi de faire des articles. Et vous proposer aussi, si jamais, même s'il n'y a pas, je sais pas si j'ai regardé, il y a quelques personnes qui regardent, même s'il y a peu de personnes, ça vous permet soit de vous donner peut-être envie de jouer au jeu, ou peut-être avoir un petit rapport aussi, comme moi je faisais avec Zao 2, où je regardais un petit peu comment il jouait, sa façon de faire, est-ce qu'il faisait les mêmes choses que moi ou pas. Donc c'est un type d'article que j'ai bien aimé, même si pour Illusion Connect, le jeu s'essouffle un petit peu, je trouve, donc à voir si je vais continuer encore longtemps. Je compte déjà au moins rester jusqu'à l'anniversaire qui a lieu durant le mois d'octobre, donc on verra à ce moment-là si je continue encore à jouer au jeu ou pas. Mais pour moi, on va encore continuer. Ensuite, pareil, il y a encore eu des C'est lundi que lisez-vous. Il y a eu le lundi C'est lundi que lisez-vous sur Fuka, donc une série que j'avais déjà depuis pas mal de temps dans ma bibliothèque, et qui m'a vraiment bien surpris d'ailleurs. Je pense que c'est l'une des séries qui m'a le plus surpris cette année, qui était déjà sorti bien sûr. Et je crois que plusieurs personnes étaient d'accord avec moi, c'est vrai que la série est assez bien, on en parlera de toute façon un peu plus tard, j'ai fait d'autres articles dessus. J'ai fait aussi un article sur Le Grimoire Écarlate, donc un titre sorti de chez Nueve Graphique, une série que je m'attendais pas, je vous avoue. Bon, j'avais déjà la couverture me donnait vite fait envie, je me suis dit ça peut être sympa au vu du synopsis et tout ça, mais le premier tome m'a vraiment, vraiment bien plu. Donc j'avais sorti un petit article que j'avais pas fait beaucoup d'ailleurs, c'est que j'ai pas fait beaucoup d'articles comme ça sur des titres précis. Mais c'était l'occasion de me relancer dessus. Ensuite, sur les autres articles, bon, il n'y a aucun C'est lundi que lisez-vous. C'est vrai que j'en ai sorti pas mal quand même. Toutes les semaines, j'essaie de lancer un petit rendez-vous le lundi en vous présentant mes lectures de la semaine, plus les lectures que j'ai prévues durant la semaine d'après. Je parle aussi d'un anime, Saga The Tanya of Evil. Donc, pareil, un anime qui est sorti depuis un bon moment, mais c'est vrai que là, je parle du film qui m'a quand même beaucoup plus plu et qui me permet de parler de l'anime et du film un petit peu en même temps. Ensuite, il y a eu d'autres, c'est lundi que lisez-vous, comme vous voyez, ça se rapproche quand même pas mal. On en a pas mal ici, je crois que c'était la période, ouais, justement, août. La période août, c'est vrai que j'ai sorti quelques articles, mais c'était surtout, soit voilà, c'est lundi que lisez-vous avec mes lectures, ou encore des rapports, enfin, c'est des trucs un peu génériques, il n'y a pas vraiment d'articles particuliers sur un titre en particulier, tout ça. Pourquoi? Bah, parce que déjà, bon, c'était la période d'été, pas forcément trop l'envie non plus d'écrire. J'avais des congés, j'ai passé aussi à faire d'autres choses, il y avait moins de gens aussi, je sais, présents sur les réseaux sociaux, donc c'était peut-être pas forcément l'occasion de lancer un très grand article. Et aussi parce que j'étais en train de taffer sur d'autres articles qui sont sortis un petit peu plus tard. Qui sortent, bon, on verra de toute façon à partir de là. Mais voilà, donc là j'ai parlé de différentes séries. Des séries qui m'ont bien plu aussi, la fin de Fuka. Il y avait, je sais plus comment il s'appelle cet anime maintenant. Enfin ce manga qui est aussi un animé d'ailleurs, que j'ai bien aimé, Magical Girlfriend. Voilà. J'avais bien aimé, que j'ai lu toute la série en une semaine. Donc encore avec la suite de Fuka, ouais, que je continue. Un article aussi que j'ai sorti à fin du mois d'août. Qui, je vous avoue, au début n'était pas trop prévu, mais je me suis dit, ah, pourquoi pas essayer d'en parler, ça peut peut-être donner des idées à certains. Avec les sites qui simplifient la vie aux fans de manga et d'anime, donc je vais vous parler de quelques sites que j'utilise régulièrement, vous expliquer comment je les utilise et ce qu'ils proposent un petit peu avec ce que moi j'en connais. Donc il y a quoi, une Nautiljon, voilà, où je me repère aux sorties des animes, My Anime List aussi, où je répertorie les animes et mangas, Manga Collect, pareil, c'est plus complet pour la collection de mangas, Google Sheet aussi, un truc un peu pratique, un peu classique, mais que j'utilise aussi, Anime Ikotaku, ou Manga Ikotaku, ou pareil, ça me donne un peu les dates de sortie d'anime. Live Chart aussi, c'est vrai que ça j'utilise pas trop, et Chasse Livre, un truc que j'ai découvert aussi cette année, je crois, ou l'année dernière, qu'on m'avait présenté,
et qui est vraiment très cool pour connaître un peu les différents prix de manga. Et Spirit Manga et Akayu Shop aussi pour acheter des mangas d'occasion. Moi, comme pareil, je vois que l'article a eu quelques retours quand même. Et c'est un article qui, de toute façon, pourrait aussi durer sur le temps, même s'il y a peut-être des choses qui risquent d'évoluer. Je sais que Manga Collect a changé un petit peu de charte graphique, donc c'est vrai, j'aurais peut-être changé, mettre à jour l'image ou essayer de refaire quelque chose dessus. Mais c'est des articles qui peuvent plaire à n'importe qui est fan de manga et d'anime, et qui n'est pas forcément générique d'avoir lu une série ou autre chose. Ensuite, voilà, il y a encore eu les. C'est indiqué, vous, les différents rapports. Et ensuite, on avait commencé voilà, début septembre, donc début du mois ici, on a quand même passé rapidement la période d'été. Mais début du mois, comme je vous avais dit, j'avais lu Fuka, j'avais lu d'autres séries encore de Kouji Seo, un auteur que j'ai découvert, je crois, cette année ou l'année dernière. Non, c'était ce début d'année ouais, que j'avais découvert avec Half and Half, et qui m'avait bien plu. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais pas encore créé de blog. Mais je crois que c'est grâce avec Half and Half en plus qui m'a motivé à bien lancer un blog. Mais ouais, donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de lancer une semaine spéciale Kouji Seo qui a moyennement bien marché. Bon, je m'en doutais un petit peu, surtout avec ce que je parlais. Donc j'avais commencé avec un classique, c'est lundi que lisez-vous, où je parlais des titres, le titre Hitman, les coulisses du manga de Kouji Seo. Ensuite, je vais essayer de revenir un petit peu sur les tomes de Fuka, qui pareil, ça c'est quelque chose qui m'avait bien plu. Je comptais de toute façon, quand j'avais lu déjà les 8 premiers tomes de Fuka, je me suis dit, il faut vraiment que j'en parle. Mais je savais pas exactement comment, et je me suis dit, pourquoi pas, au lieu de faire tome par tome, faire 20 articles vu qu'il y a 20 tomes, essayer de faire ça par arc. Alors au début, j'avais prévu de faire ça 5 tomes par 5 tomes, mais j'ai vu que bon, le premier arc se terminait au tome 4, enfin, qu'à partir du début du tome 5, il se passait quelque chose d'assez important. Donc je me suis dit, autant faire direct jusqu'au tome 4, un premier article jusqu'au tome 4. Après, c'était pareil jusqu'au tome 8. À la fin du tome 8, il se passe aussi un peu la fin d'un arc narratif qui dure depuis le début du tome 5 ou 6. Donc je me dis, c'est l'occasion de faire un truc 4 par 4. Et là, pareil, bon, c'est vrai que c'est pas des articles qui vont forcément parler à tout le monde, surtout les derniers où voilà, faut avoir lu la série. Et même, il y a certains tomes, je sais qu'il y a le tome 18 qui est assez rare, on ne trouve pas forcément. Donc je sais pas, je m'en doutais que ça allait être des articles qui n'allaient pas forcément faire beaucoup de vues. Mais c'était quand même quelque chose qui m'a bien plu à faire, je pense que j'essaierai de refaire aussi à l'avenir, pourquoi pas. Mais voilà, juste pour vous présenter aussi Fuka, une série qui m'a bercé, enfin qui m'a pas mal que j'ai découvert cette année, qui m'a quand même bien plu. Et après, je me suis eu l'occasion le dernier jour de sortir un truc sur Half and Half, qui je pense c'est l'un des articles avec celui de Summer Spider qui m'a vraiment le plus plu à écrire. Qu'est-ce que l'amour à travers l'amour? Parce que j'ai vraiment essayé de partir sur une approche un petit peu différente de d'habitude. J'ai commencé avec une petite phrase de philosophie, mais ensuite un truc un peu détaillé où je parlais pas. Enfin, je parlais du titre, mais c'est vrai que je parlais surtout d'un thème précis. Donc là, par exemple, l'amour et la mort. Qu'est-ce que l'amour et qu'est-ce que la mort? Bah, est-ce qu'on peut tomber amoureux d'une personne, sachant que cette personne va disparaître au bout de 7 jours et sachant que c'est une personne qu'on ne connaît pas forcément? Donc j'ai vraiment essayé de faire une approche un peu différente sur l'article, qui a eu quelques vues. Bon, je m'attendais, j'aurais bien voulu qu'il en fasse un petit peu plus, mais c'est pareil, c'est un article qui de toute façon. Vu que c'est une série courte qui peut être aussi. Sera peut-être un jour adapté en film, en animé ou autre chose. Je pense que c'est quelque chose qui, au fil des ans, sera amené à peut-être attirer plus de monde qui découvrent peut-être la série, qui tomberont sur mon article. Et c'est vrai que j'ai fait un bon travail de référencement dessus, et je pense que je continuerai encore à faire des choses dessus. Mais voilà, un sens à la romance, c'est vraiment un article qui m'a pris pas mal de temps à faire et que j'ai vraiment plu, qui m'a vraiment plu à écrire. Comme si c'est un des articles où je suis plus fier d'avoir fait sur le blog. Ensuite, donc ouais, c'est une partie des articles qui m'avaient duré l'été. Voilà pourquoi l'été j'avais pas sorti forcément beaucoup d'articles. Parce qu'il fallait le temps que je lise la série, que j'essaie de détailler un petit peu ce qui se passe dans la série, que j'essaie de faire un petit résumé. Par exemple, sur le cas de celui de Fuka, bon, je vais essayer de pas trop vous spoil, c'est vrai que là je vois quand même sur le dernier. Moi, ouais, je raconte un petit peu tout ce qui se passe dans la série, avec des captures d'écran. J'essaie de donner un petit peu ma vision aussi des choses. Et à la fin, je fais un petit résumé avis personnel. Voilà, et je vous invite à lire la série. Ensuite, pareil, c'est lundi que lisez-vous. Et enfin, un autre article que j'ai bien aimé faire aussi, qui change un petit peu, que je pense que je ferai ça aussi pour d'autres séries. De toute façon, j'en ai parlé à la fin. C'est ma découverte de la saga Toharu, donc à certaines Magical Index et à certaines Scientific Rigen et à certaines Scientific Accelerator. Donc, une saga de série d'animation aussi qui est basée sur un light novel et qui a aussi une adaptation en manga. Qui, un peu comme un Star de Fate, a pas mal de dérivés, un truc assez connu qui est un public de niche. Donc je connaissais déjà depuis un moment, mais c'est vrai que j'avais envie de le découvrir et je me suis dit, allez, pourquoi pas maintenant, on va se lancer sur l'animé. On m'a pas mal poussé à commencer l'animé cette année. Et je me suis dit, c'est l'occasion, autant essayer de faire un thread déjà Twitter, j'avais commencé par ça, puis je me suis dit, pourquoi pas en faire un article où je récapitule un petit peu mon visionnage sur la série, voilà, saison après saison, ce que j'en ai pensé, ce que j'ai bien aimé, est-ce que la série a atteint mes attentes et tout ça. Présenter aussi un peu mes persos préférés de la série et tout ça, je me dis pourquoi pas. Les gens qui connaissent la série, ça leur permettra d'avoir un peu mon avis sur la série en entier. Et je crois que c'est ce que j'avais dit à la fin, voilà, je préférais faire un petit article comme ça,
qui est mieux qu'un simple tweet qui, au fil des années, au fil des mois, même au fil des jours déjà, est voué à disparaître et moins de personnes qui risquent de tomber dessus. Alors que là, si des gens cherchent peut-être à se renseigner sur la saga Toaru, tombent par hasard sur le site, ils vont peut-être pouvoir découvrir une saga qu'ils connaissent pas ou peut-être voir l'avis d'une autre personne sur la saga. Et après, il y a quoi? Le dernier article que j'ai sorti, c'est lundi que les évous, je joue encore ça, plus un article sur les yokai. Donc les Jiganshi bon, je vous avoue que c'est pas l'article le mieux que j'ai écrit. J'avais envie de refaire un truc, parce que c'est vrai que Jiganshi, c'était quelque chose que je connaissais pas forcément. Et comme j'en ai parlé de toute façon au début de l'article, en termes voilà, de mes visionnages d'animé et de ça, j'ai vu des personnes habillées en des tenues un peu bizarres, comme on peut voir là en dessous, avec un papier sur le visage et une tenue un peu de nécromancie. Et je sais pas, sur un coup de tête, je m'étais dit, vas-y, j'ai envie de savoir ce que c'est exactement. Je me suis dit, pourquoi pas vous proposer un article pour vous parler de ça. Je voulais vous parler de quoi encore? L'arrivée des articles jeux vidéo qui ont été bien reçus, ouais. Je voulais vous parler du Trello aussi encore. C'est vrai que lors du dernier live, je vous ai dit que j'avais fait un Trello, que j'ai en fait assez vite abandonné. Je vais pas vous le cacher, comme vous voyez, article en cours, bilan de l'anime été 2021. Alors celui-là, il est encore bon. Mais ouais, il y a un truc gigantesque qui a été fait. C'est lundi que lisez-vous 19, sachant que là, on est au 26. J'ai un petit peu abandonné, c'est vrai que bon, l'intérêt au final, vu que les articles, je les écris un peu compte-gouttes et ils sont assez rapides aussi. Enfin, je les écris en gros dans la semaine, à part sauf quelques cas, je sais à peu près exactement ce que je fais. J'ai une bonne manière de m'organiser, donc c'est pas forcément quelque chose au final que j'ai maintenu. Donc c'était peut-être pas forcément une erreur, c'est vrai que j'aurais peut-être dû essayer d'être un peu plus assidu, rajouter peut-être des images ou mettre des tâches. C'est vrai que là, j'ai laissé un peu le Trello un peu de manière assez simpliste. Mais bon, voilà. Pris quelque chose qui a pas forcément fonctionné, que pour moi je vais laisser comme ça, je pense que je vais pas encore reprendre le Trello. Le nouveau format des articles, ce que lisez-vous, c'est vrai que j'en parlerai un petit peu plus tard. Les articles futurs qui sont prévus, pareil. Et les articles plus complets, ça pareil, j'en parlerai un peu plus tard. Il n'y a pas autre chose que je vais encore parler. Donc ouais, bilan du blog, pour moi, bon, durant ces 3 mois, j'ai quand même sorti pas mal d'articles, même s'il y a une petite période creuse durant l'été. 25 JDL, pour moi, on est même à 26 Journal du lecteur, qui va changer de nom, j'en parlerai après. Est-ce que je parle de plus en plus. Voilà, autre chose que j'essaie de me questionner aussi, c'est est-ce que je parle de plus de titres pour moi? Parce que c'est vrai que je parle surtout. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, là, le blog il est surtout fait pour parler des séries que j'aime bien. Mais c'est vrai qu'il y a certaines séries dans les C'est lundi que les e-books que je parle qui ont pas mal de textes. Donc j'hésite un peu à vous faire des articles à part dessus. Mais je me dis, est-ce que ça va vraiment être intéressant? S'il y en a qui lisent un peu les deux, ils risquent peut-être de se perdre. Mais en même temps, si jamais il y a quelqu'un là qui arrive sur le site et qui sait pas que j'ai parlé par exemple on va dire au troisième C'est lundi que lisez-vous, j'ai parlé d'un titre et qui a envie d'avoir mon avis sur ce titre, il va peut-être pas forcément regarder tous les C'est lundi que lisez-vous pour avoir mon avis sur ce titre en particulier. Donc j'hésite peut-être pour certains titres à faire des articles particuliers, même si c'est juste un copier-coller de ce qu'il y avait déjà, moi ça pourra peut-être permettre à d'autres personnes de découvrir ça. Après, le souci que j'ai, c'est que souvent c'est des articles où il n'y a pas forcément grand-chose. Si on regarde par exemple l'article sur. J'ai beaucoup de fois par exemple hein, quand même. Si on regarde l'article manga que je voulais voir, voilà, sur le Grimoire écarlate. Bon, quoique. En vrai, j'allais dire, j'ai pas fait grand chose, mais au final, si. J'ai écrit quelques trucs, mais ça correspond à peu près à ce que j'ai mis sur d'autres articles, c'est lundi que lisez-vous. Donc, je pourrais à la rigueur, pourquoi pas le faire. Mais ouais, mon but, c'est quand même de faire un truc assez détaillé, mais c'est vrai que pourquoi pas. Pas forcément faire un truc avec beaucoup de texte, mais c'est vrai pourquoi pas partir sur quelque chose comme ça. Je vais essayer de réfléchir et peut-être faire ça pour l'avenir alors. Est-ce que je fais des reviews aussi séparés pour des titres qui m'ont plu? Ouais, c'est ce que je parlais. Et changement du JDL, donc journal du lecteur, en quelque chose que je vais changer, journal du blogueur. Donc au début j'avais été journal du blogueur ou alors journal du docteur, qui au final me convient mieux parce que ça fait un aspect un peu plus personnel. Mais après je me dis est-ce que ça ferait pas un peu trop copier-coller avec l'apprenti otaku qui pareil a aussi un rendez-vous du lundi, son édito du lundi où il parle de sujets différents. Et donc au niveau des articles que je fais sur le site, il y a C'est lundi que lisez-vous qui m'ont changé, il y a des reviews de manga, des reviews d'animé. Review de roman light novel, je crois que j'en ai pas sorti durant ces derniers mois. Ouais, il y avait celui sur Promise Neverland que j'avais sorti en juin. Ouais, donc je n'ai pas sorti beaucoup, c'est vrai. Sachant que j'en ai lu en plus, c'est ça, j'ai lu des light novels et tout ça, donc j'aurais pu essayer d'en parler. Il y a bilan anime de saison où j'ai écrit celui de la saison d'été qu'il faudra que je poste la semaine prochaine. Les rapports que j'aime bien, présentation du yokai qui sont des articles, bon, il faudra pas vous habituer à vraiment voir beaucoup, mais. C'est des articles que je vais quand même essayer de continuer un petit peu à faire. Les vidéos goodies, je sais plus si j'ai déjà sorti ceux-là ou pas. Je vois ainsi, c'est pareil, c'était en juin où j'ai fait des reviews de titres collector. J'en ai pas refait depuis, c'est vrai que je devrais peut-être essayer d'en faire, mais il n'y a pas eu tant de collectors qui sont sortis. Il y a le prochain de l'Atelier des Sorciers qui devrait pas tarder d'ailleurs. Et sinon, bon, il y a celui d'SNK, le 34, qui devrait pas tarder non plus. Celui de One Piece, j'ai pas pris. Et sinon, les autres, souvent, il n'y avait pas forcément des choses beaucoup très intéressantes dessus. Les articles actu Japon, j'en parle pas trop.
Donc on va parler encore maintenant des autres articles qui sont en cours et tout ça, et aussi du JDD, donc journal du docteur. Donc comme dit, les articles en cours au niveau, enfin, autre chose au niveau référencement et tout ça, je trouve que ça va, je me suis un peu amélioré quand même, j'ai mis d'autres choses. Mais au niveau des articles en cours, j'ai toujours ceux de l'atelier des sorciers qu'il faudrait que je fasse, parce que ça fait depuis un moment qu'ils sont là, mais il faut que je me trouve le temps de le faire. Ça c'est pour moi, c'est une sorte de mémo. J'ai les rapports de jeu, ouais, qui continuent aussi. J'ai le truc sur les animes, voilà, je vais pas trop vous montrer, mais faut que je continue aussi encore à l'écrire, mais ça devrait sortir assez rapidement. Et là, il y a le journal du docteur, donc la nouvelle catégorie d'articles, qui, bon, je vous montre déjà un petit peu ce qui va sortir lundi. J'ai pas totalement encore fini, mais c'est à peu près ce que ça va être ça. Donc en gros, j'ai envie de changer un petit peu la formule pour vous parler aussi d'autres sujets. Bon, là, je parle surtout de mon envie de changer et tout ça au bout de 6 mois de bloc. C'est aussi un peu rapport avec ce live là. Je mettrai peut-être d'ailleurs le lien du live dans cet article, pourquoi pas. Mais ouais, je vous parle un petit peu de mon envie de changer, qu'au bout de 6 mois, voilà, j'ai pas mal évolué avec le blog, j'ai ma vision un petit peu changé, ma façon de créer des articles, de lire des mangas aussi changé depuis que je tiens ce blog. Donc je vous parle un petit peu de ça et mon envie de changer, de proposer quelque chose de nouveau. Tout en gardant aussi encore un petit résumé sur différents mangas que j'ai lus. Manga, light novel ou roman, voilà. Donc c'est quelque chose qui est changé, qui j'espère sera bien aussi reçu par les gens, qui sont peut-être intéressés un peu plus par ça. Mais ouais, c'est l'une des évolutions que j'ai envie de faire pour le blog. Et en parlant de ça, il y avait d'autres choses, c'est vrai que j'avais marqué ici, voilà, faire des gros articles, quelque chose que j'aimerais bien essayer de faire un petit peu plus, comme certaines personnes des fois qu'on peut voir sur Twitter ou qui font ça aussi des fois sur YouTube, qui sont spécialisées des fois sur certaines séries. On a par exemple Amano qui parle pas mal de Undead Unluck, qui connaît pas mal de trucs dessus. J'aimerais bien essayer de faire ça aussi, parce qu'il y a certaines séries que j'aime bien. Bon, là je présente, je prends le cas de Spirit Seeker, une série que je vous ai déjà parlé, qui vraiment est très méconnue, et pourtant je trouve mériterait quand même pas mal de trucs. Donc je pense que je vais à l'avenir essayer de préparer aussi des articles. Vous attendez pas à ce qu'ils sortent la semaine prochaine, ça risque de prendre pas mal de temps à faire parce qu'il faut que je relise la série, que je prenne des notes, que j'essaie de faire un avis global dessus, que je note aussi pas mal d'infos sur tous les personnages. Mais j'ai vraiment envie d'être un peu, pas un collab dessus, mais avoir une grosse sous-information dessus sur quelques séries comme ça. Il y a, bon, Toaru, je sais pas encore si je fais, mais il y a par exemple Spirit Seeker, il y a quoi d'autre? Qu'est-ce que j'avais encore comme série? Undead Unluck, bon, je vais peut-être laisser ça à Mano aussi. Je regarde un petit peu dans ma bibliothèque ce que j'ai. Some Spider, j'aimerais bien faire un truc. Pokémon Noir et Blanc aussi, c'est un manga que je vais essayer de traiter aussi sur un article à part, où il y aura pas mal de trucs dessus, mais je crois qu'on en parlera un peu plus tard. J'ai un autre point prévu là-dessus. Mais voilà, j'aimerais bien faire des choses un peu comme ça, genre vraiment un article complet où je raconte un petit peu ce qui se passe sur ce que je vous présente rapidement la série, et je vous présente un petit peu les personnages, donc qui ils sont, quels sont leurs pouvoirs, quels sont les liens peut-être entre eux, leur âge, leur voilà, ce qui les motive, ce qu'ils font dans la série, leur évolution qu'ils ont peut-être dans la série. Vraiment faire un gros article comme ça. Et après, c'est un lien aussi avec quelque chose où j'aimerais bien m'améliorer un petit peu, c'est publier d'autres trucs sur Twitter. C'est vrai qu'on avait parlé, on avait dit ça, il y a quelques personnes que je connais, par exemple avec Esprit Otaku, quelques personnes des lives d'Esprit Otaku qui m'ont dit ah, bon, t'as mis à cette série, mais c'est vrai qu'on ne t'aura pas trop en parler. Donc ça va aussi un petit peu avec ça, parler de séries un peu plus de niche et tout ça, que j'aime bien. En apportant quelque chose en plus, et comme certaines personnes peuvent faire, je vais essayer de faire des sortes de fiches de personnages ou fiches de manga, ou que je publierai en lien avec, que je publierai par exemple sur mon Twitter. Où je présenterai un personnage, je vais dire par exemple, je présente Luffy, je présente ses pouvoirs, qui il est, la série qui vient, son âge, voilà, des infos un peu techniques comme ça, peut-être une citation ou d'autres choses, enfin vraiment des infos sur les personnages pour vous aider un peu à le découvrir, pour vous découvrir l'univers. Et après, pour ceux qui aimeraient en apprendre un peu plus, faire un lien directement avec l'article qui sera présent. Si on parle du cas de Spirit Seeker, je vais plutôt rester sur Spirit Seeker. Je publierai d'abord le gros article où je présente la série, je présente les persos, enfin vraiment un truc gros, un très détaillé qui va peut-être pas forcément plaire à tout le monde, mais qui sera une grosse source d'infos. Et à contrario, pour essayer d'attirer encore des gens régulièrement dessus, parce que voilà, les articles c'est comme les vidéos YouTube, une fois que les gens l'ont vu, la plupart des vues viennent surtout durant la période, le moment où on publie l'article, où on publie la vidéo. Et là, mon but c'est de publier des sortes de petites cartes mentales ou cartes mémo sur Twitter. Avec un lien sur l'article, comme ça les gens, si jamais ils tombent sur le tweet, ils pourront se dire ah tiens, ça a l'air sympa, et s'ils veulent en apprendre plus, ils pourront ensuite aller sur l'article et pourquoi pas faire des vues en plus. C'est un moyen comme un autre, voilà, pour déjà faire la pub un peu sur l'article et parler aussi un peu d'une série. Donc c'est quelque chose que je vais essayer de faire à l'avenir. Je sais pas si vous avez vraiment bien compris ce que j'essaie de dire, mais j'essaie d'être le plus clair. Donc ouais, c'est quelque chose que j'ai prévu, pas forcément sur toutes les séries, parce que je suis pas un collab non plus partout, voilà, il y a 1 milliard de séries qui sont, peut-être pas 1 milliard, mais il y a énormément de séries qui sortent tous les jours. D'autres qui se terminent, d'autres qui sont pas forcément bien, mais surtout vous parler des séries que j'affectionne pas mal, ou qui vraiment m'ont bien marqué, qui méritent peut-être un peu plus de reconnaissance.
Au niveau des objectifs et tout ça sur le site, bon, comme j'ai dit, écrire de bons articles, respecter le bon nombre de mots. Après, ça dépend des articles, c'est vrai que bon, la stratégie que j'essaie de faire, c'est surtout des articles bien concis, mais je vois que ça marche pas forcément non plus. C'est vrai que les gens sont pas forcément très atterrés, s'ils connaissent pas la série, ils ont peut-être pas forcément envie de lire un article de 2000 mots, ou c'est un truc qu'ils connaissent pas forcément. Donc ça, c'est quelque chose que je vais encore essayer de retravailler. Faire des articles un peu plus complets, vraiment pour parler d'une série qui me tient à cœur, mais voilà, pour parler vraiment de tout d'une série, ou alors faire juste un petit article où je donne mon avis sur une série. Améliorer le SEO, j'essaie de m'améliorer dessus. Je regarde déjà des formations et tout ça pour me former un peu plus dessus, donc ça va. Pas de faute, alors il y en a encore quelques-unes, j'essaye de faire un peu attention, c'est comme d'habitude. Les belles images, ça va, j'essaie de me démerder aussi, ça avance un peu. Faire de la pub, c'est un des points que j'essaie, que j'ai dit de toute façon, il faut que j'interagisse un peu plus sur les réseaux sociaux et que je parle un peu plus de l'article, enfin du site sur les réseaux. Être régulier, ça va, j'essaie quand même d'avoir de bons articles, mais c'est vrai que bon, mon but, c'est pas non plus de publier un article par jour et qu'il y ait 10 000 vues sur le site. Pour moi, le nombre de vues, ce qu'il y a, ça me convient. Le site, comme il est pour moi, ça me convient. S'il peut évoluer, tant mieux, mais parce que tant que j'ai quelques retours déjà, ça me convient. Être régulier, avoir des idées d'articles en avance. Alors j'en ai quelques-unes, mais c'est vrai qu'il faut que je me motive à être un peu plus productif. Mais comme dit après, ça, c'est pas forcément quelque chose. L'activité de façon du blog, c'est une activité à part que je fais pas à temps plein non plus. Je fais ça durant mon temps libre, donc ça dépend en fonction de mes envies, de ce que j'ai à faire et tout ça. S'inspirer des autres, alors ça va avec le JDD, ça aussi, voilà, à force de lire des articles, d'évoluer, j'ai un peu changé le format qui ressemble un peu à ce que fait apprendre Otaku. Bon vocabulaire, alors sur les derniers articles, comme celui de Half and Half, attendre caser encore un petit pub sur un article, je trouve que ça va. Toaru, ça va, j'ai essayé de parler aussi un peu quelques termes, même si ça parle pas forcément à tout le monde. Mais j'en suis sur Half and Half, que j'ai bien aimé, sur Fuka aussi, j'ai quand même bien aimé les écrire, et j'essaie de rajouter du vocabulaire et des trucs un peu, juste le dire, l'animation est top, les dessins sont cool, l'histoire est intéressante, juste au lieu de dire ça, j'essaie de rajouter d'autres choses, et de parler des sujets un peu plus vastes, traiter un peu plus en profondeur des œuvres, que juste dire, alors, l'histoire elle était cool, on voit les gens chanter, on voit les gens se battre, il y a de l'action, c'est cool. Donc ça paraît, c'est du travail qui demande aussi un petit peu du temps. Être au courant de l'actu, alors je lis pas trop de scans de toute façon manga, et il n'y a pas tant d'articles que ça. Bon, j'essaie de faire des articles un peu des fois sur certains trucs. C'est vrai que toi, bon, Fuka, la série, presque personne qui en parle, les ventes sont catastrophiques, il y a des tomes qu'on retrouve déjà plus. C'est peut-être pas forcément le meilleur truc. Pareil pour Half and Half, c'est un site qui est sorti il y a un petit moment, donc c'est pas forcément le meilleur article à faire. Mais j'essaie quand même de me tenir un peu informé et de parler des nouveautés, donc quelque chose pareil qu'il faudrait que j'essaie d'améliorer un peu. Au niveau des idées d'articles que j'ai prévues pour le moment, donc vous voyez, il y a pas mal de trucs. Il y a déjà un article sur Garei, j'ai envie de parler de la série Garei. Et comme avec Spirit Seeker, j'ai envie de présenter un peu les persos, les différents groupes, les antagonistes et tout ça, les yokai, les arcs, les monstres qu'on peut retrouver dans Garei. Pourquoi pas parler de l'auteur aussi. Donc c'est une série qu'il faut que je relise, que j'ai vraiment bien aimé, qui malheureusement est difficilement trouvable. Il y a des tomes qui sont assez rares. Ensuite, pareil, il y a l'atelier des sorciers qu'il faut que je fasse, ça faut que je me motive à le faire. Spirit Seeker, comme je vous ai dit avant, voilà, donc parler un peu des persos, des groupes, des yokai, des différents arcs, et faire des fiches aussi sur Twitter. Undead Unluck, parler des pouvoirs et en expliquer certains. Je pense que ça peut être sympa de parler un peu plus d'Undead Unluck sur le titre, sachant que c'est une série que j'aime bien aussi. Bon, je suis pas non plus comme Amano, je suis pas comme Amano où je fais pas mal de pubs sur le titre, mais c'est quand même une série que j'aime bien et que je crois aussi, j'espère qu'elle décollera un petit peu plus. Index, parler des light novels. Bon voilà, je vous ai parlé déjà de l'anime Magical Index. Je vais essayer de parler un peu plus des light novels, même si bon. Ils sortent difficilement en France, donc ça, enfin, peut-être que je lise de manière pas totalement légale non plus. Mais de toute façon, je continuerai à suivre parce que le manga, certains Magical Index, quelque chose que c'est surtout grâce au light novel de chez Ophel que j'ai découvert. Donc je continuerai de toute façon à suivre encore le format papier quand il sortira. La journée Beyond Table, ça pareil, c'est un titre, je vais essayer d'en parler un peu plus. Un successeur à TPN, c'est vrai qu'il y a une certaine ressemblance et j'aimerais bien en parler un peu plus. Mais j'hésite à faire comme Spirit Seeker, parler des arcs et tout ça, mais vu qu'il y a 4 tomes pour le moment, il y a le 5ème qui ne devrait pas trop tarder. Je sais pas vraiment encore comment aborder ça, sachant que le récit est assez particulier. Wonder Week Witch, pareil, présentation de l'anime, c'est un anime que j'ai adoré, le manga qui sort en plus aussi actuellement en France, qui fait pas trop parler, donc il faudrait que j'essaie d'en parler. Karan no Kyokai, là pareil, je vais essayer de vous faire une review de chaque film, mais faut que je revoie encore les films et que je fasse ça. Parce que c'est une des séries qui vient de toute façon de ma photo de profil. Ma photo de profil, c'est un personnage de Karan no Kyokai. Ou The Garden of Siren pour la version occidentale, enfin la version pas globale, européenne, voilà.
Donc voilà, présentation des films, des persos aussi, présenter Shikiryugi un petit peu, qui est ce personnage assez particulier que je chéris tant. Et après des articles aussi sur le manga Code Noir et Blanc, déjà ce que j'ai prévu, donc pourquoi est-ce que, déjà essayer de vous parler, pourquoi est-ce que tel personnage en telle équipe, qu'est-ce que représente ce Pokémon dans son équipe et ce Pokémon dans la franchise. Donc c'est quelque chose que j'essaierai de faire aussi. Pourquoi le manga Pokémon Noir et Blanc est-il incroyable? Par rapport à d'autres mangas Pokémon de la Grande Aventure qui sont aussi bien, mais c'est vrai que Noir et Blanc, je crois que c'est pas le premier que j'ai découvert, c'est même l'un des derniers d'ailleurs, l'un des derniers mangas Pokémon que j'ai lu. Mais pourtant, il a ce petit truc qui le différencie des autres et qui, je trouve, vraiment le classe un petit peu à part par rapport aux autres mangas Pokémon. Donc, il faut que je relise en parallèle. Là, c'est quelque chose qui est prévu de façon prochainement. Faut que je relise le manga et je vous ferai différents articles un petit peu pour en parler. Et pareil aussi, le traitement de Tcheren dans Pokémon Noir et Blanc, parce qu'il a un traitement assez particulier, que ce soit au début ou à la fin. Au début, on peut penser que c'est un simple rival, mais pourtant, à la fin, son comportement change quand même différemment de ce qu'on a dans les jeux. Ou de ce qu'on peut connaître, que ce soit dans l'anime ou comme dit dans les jeux. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut mériter un débat et qui peut peut-être intéresser des gens, même si la série est sortie depuis un moment, mais pourquoi pas essayer d'en parler. Donc je crois que c'est à peu près tout, je voulais encore parler un peu des stats du blog. Donc il y a eu quand même pas mal de trucs, j'essaie de regarder peut-être au niveau des mois. Là on a les trois derniers mois, il y a celui de septembre qui a fait pas mal de vues. Bon, je pense que surtout avec la rentrée, il y a peut-être d'autres personnes qui sont venues, et peut-être eu un peu plus de pubs. Même si j'ai moins de visiteurs, mais j'ai eu plus de vues. Il y a juillet, août qui a quand même un bon score, on va pas se le cacher. 174 vues et 122 visiteurs, c'est pas mal. Et juillet, où voilà, bon, c'était début des vacances, il y a eu moins de monde, c'est vrai que j'ai sorti moins d'articles. Mais c'est vrai qu'août, en vrai, ça m'étonne, j'ai eu plus de vues alors que j'ai sorti moins d'articles. C'est que ça a quand même pas mal marché en fait. Mention j'aime 27, commentaire 6, ouais, pas mal de trucs. Les récents, comment les gens découvrent un peu mon blog. Bon, surtout principalement par Twitter, c'est vrai que je fais le plus de pubs. Je pense que voilà, l'article sur Toaru a pas mal fonctionné aussi, j'ai vu que pas mal de gens l'avaient retweeté. J'ai des gens du Sénégal et de l'Allemagne, je vous avoue que je regarde pas tout le temps les stats non plus, donc il y a des choses que je découvre. Suisse, Chine, j'ai des gens de Chine qui regardent mes articles là-bas. Au niveau des semaines, celle-là en mars qui était pas mal. Et là aussi, deux semaines qui ont bien fonctionné. Les sites pour simplifier la vie des fans de manga, c'est vrai qu'il a pas mal fonctionné celui-là. Et là j'avais quoi comme article? Je n'avais pas vraiment marqué. Page d'accueil, c'est l'indiculez-vous, les rapports, ouais. Quelques trucs qui ont fonctionné à cette période-là. Il y a eu des personnes. Je sais pas si on peut voir. Les personnes qui sont abonnées au blog. Il me semble que j'avais un truc où je pouvais voir les personnes abonnées au blog. Ah, voilà, le nombre d'abonnés. Je crois qu'on n'a pas trop augmenté depuis. Ah, si, il y a différentes personnes qui sont arrivées. Il y a trois personnes qui se sont abonnées au blog, donc je les remercie. Je sais que Komorebi like souvent mes articles, donc merci à toi. Donc là, on a gagné quelques abonnés. Bon, je vais pas vous cacher aussi, récemment, j'ai eu un objectif. Je me suis dit pourquoi pas essayer d'atteindre 100 abonnés sur le blog d'ici les 1 an du blog. Bon, je pense que ça va être assez délicat pour le moment, mais voilà, j'essaie de me donner des petits objectifs pour essayer de donner un petit peu mon mieux et m'améliorer un petit peu par ça, même si je sais que ça risque d'être assez long. Parce que Komorebi, si on regarde lui, bon, je crois qu'il a le blog depuis un bon moment, voilà, il a 102 abonnés, alors que je peux pas voir depuis quand il a son blog. Non, mais je crois qu'il l'a quand même depuis 2 ou 3 ans quasiment, donc 102 abonnés en 3 ans, et moi j'ai l'objectif de faire ça en 1 an. C'est quand même assez prétentieux, sachant que Komorebi, là ça va, il s'est un peu, enfin il s'est un peu calmé, il sort pas, quoique 5 jours, un jour il sort quand même des articles un peu plus régulièrement que moi, et en tout cas assez variés. Mais je sais que pendant une période il sortait quasiment un article par jour, donc. Voilà, c'est pas forcément. Si peut-être que j'essaie de faire un rythme d'un ou deux articles par jour, ça pourrait fonctionner, je pourrais peut-être atteindre les 100. Mais je pense qu'avec mon rythme actuel, ça risque d'être compliqué. En tout cas, j'essaie de me donner des objectifs comme ça. On verra d'ici 1 an si j'arrive à les atteindre ou pas. Donc voilà, je pense que le live va s'arrêter là. Bon, merci à tous ceux qui sont passés. Merci à ceux qui regarderont la rediff, que ce soit sur YouTube. De toute façon, je pense que la rediff sera que sur YouTube, même sur Twitch, s'il y a des gens qui passent après sur Twitch. Donc merci à vous. Je vais encore continuer le blog encore longtemps. On verra d'ici. Là, on est quoi? On est septembre, fin septembre. Ça ferait octobre, novembre, décembre. D'ici Noël, janvier, ouais, vers Noël, début janvier, on essaie de reparler encore du blog pour le bilan des 9 mois. Donc voilà. Mes objectifs, c'est surtout faire des articles un peu plus complets sur certaines séries comme Spirit Seeker, Pokémon Noir et Blanc et des trucs comme ça. Donc on verra d'ici début d'année prochaine si j'aurai réussi à tenir mes objectifs, si j'aurai fait des articles un peu plus concis ou peut-être il y aura d'autres choses qui auront changé. Donc merci à ceux qui seront passés sur le live. J'espère que celui-ci vous aurait plu. Et sur ce, je vous dis
Bye tout le monde.